Bienvenue à la nouvelle émission Au cœur des femmes. Alors pour cette quatrième année, bonjour les filles. Salut Gisèle. Oui. Bonsoir, salut. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Oui, on vous expliquera plus tard. Alors du coup, on a une invitée ce soir. Pour tout vous avouer, c'est Élodie qui va tout nous expliquer. Je crois que tu t'appelles Audrey. Salut Audrey. C'est ça. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Merci Audrey. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté, parce qu'on sait, que c'est une tâche difficile de venir rencontrer l'équipe Au cœur des femmes, et qu'on va te charcuter. Je suis ravie d'être avec vous, en tout cas. Merci. Alors, complètement, ce soir, nous avons une invitée particulière et aussi exceptionnelle, de par son parcours de vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit personnel, également toutes les casquettes qu'elle a à côté. Et ben, on a vraiment un grand plaisir, Gisèle, Karine et moi-même, de t'accueillir parmi nous, puisque nous savons très bien que tu sauras vraiment apporter de très belles choses aux téléspectatrices, téléspectateurs. Alors déjà, en 5 mots, dis-nous quels sont les sujets qu'on va aborder ce soir avec toi. Alors, ce soir, je vais vous parler de moi, de ce que je fais dans la vie, de mes passions, de ce qui me fait vibrer. Ouais, ça ouais. peut aller, ouais. passion vibrer. Ouais. Et ma citation préférée. Ouais, hey. Allez. On va commencer par la citation, moi j'aime bien commencer par la fin. Alors, ma citation préférée c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Non. Voilà. Ça c'est difficile ça. Ça c'est de la... Ma citation préférée. Toi aussi? Ouais. Si mes enfants écoutent ça, surtout mon plus gros, oh mon Dieu, maman, sort de ce corps! Ouais, je trouve que cette règle de base, déjà, elle est pas mal. Et dans quel moment tu l'as, alors rapidement, dans quel récent moment tu l'as appliquée, cette phrase? Dernièrement, j'ai eu envie de manger un truc, puis je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, non, si j'avais aimé ça, moi, j'aurais aimé qu'on me laisse le manger. Donc, je l'ai offert. Oh, c'est chou. Bah ouais. Bon, d'accord. C'est très sage. C'est hein. difficile, la conscience. Eh, moi, je mange, moi. Fais ça sur la bouche, c'est difficile. Et du coup, voilà, tu es... Explique-nous un petit peu tout. Tu es maman, tu as des choses qui te tiennent à cœur, tes grandes lignes. Alors, moi, je suis mariée, j'habite à Saint-Paul. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 7 ans, qui s'appelle Cléa. Salut Cléa. Ouais, coucou. D'ailleurs, elle m'a demandé ce soir pourquoi maman passe à la télé. Question difficile. À quel âge? À 6 ans. Ouais, 6 ans et demi. Elle Parce va avoir 7 est chouette, ans. Parce qu'elle est chouette, ta maman. Donc, ouais. Au moins, tu me verras, Cléa. Coucou. Donc du coup, maman d'une jolie Cléa de 7 ans, 6 ans, c'est oui. ça, 6 ans et demi. C'est important, demi, c'est important les 6 ans et demi à cet âge-là. Et du coup, par la suite, donc des choses que tu as rencontrées, des situations dans lesquelles tu es aujourd'hui, ça te oui. permet de... Tu nous expliques. Alors, pour ma situation personnelle, du coup, du côté de ma vie professionnelle, je travaille dans une entreprise depuis 15 ans, donc j'ai eu la chance de faire mes études à La Réunion. Dans quel secteur? Je suis chez un opérateur téléphonique dont je ne citerai pas le nom. Non, mais bien sûr que non. Oui, bien sûr. Mais voilà, et puis j'ai eu la chance de faire mes études en alternance. T'as quoi comme poste là-bas? Alors j'ai changé, ça fait 4 mois maintenant que j'ai intégré l'équipe RH. C'est ce que j'ai Je peux te faire passer un CV. mais ouais, je suis dans une boîte où il y a pas mal de métiers différents, donc on a cette chance de pouvoir changer, se génial. Renouveler, faire autre chose. Ouais. Donc, après 15 ans de distri, où là, j'étais manager de commerciaux. Oui. C'est différent, là. Là maintenant, mes clients, c'est les salariés. D'accord. C'est chouette. C'est l'humain. C'est ça. C'est super. Et dans ma vie perso, alors, première de mes passions, le piano. Autre de mes passions, est-ce que je fais de mon temps libre? J'ai une assoce. Et du coup, je vais faire le lien avec ma fille. J'ai une assoce qui s'appelle Nous de Force, qu'on a montée avec mon mari et ma meilleure amie Maïté. Moi, je suis maman d'une petite fille qui est porteuse d'handicap. Donc, elle a le syndrome de Dreyer. Okay. C'est une maladie qui est très rare. Il n'y a pas de cas à La Réunion. Alors, explique-nous. Comment tu as découvert et c'est quoi les symptômes et comment elle vit aujourd'hui? Alors, comment je l'ai découvert? Déjà, je l'ai su tout de suite. Ça veut dire, dès la première écho, c'est une décision qu'on a prise de l'avoir. Parce qu'il faut savoir que le handicap, c'est quelque chose qui peut arriver en début de grossesse, en fin de grossesse, à tout moment dans l'âge d'un enfant aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai su de départ et que j'ai accepté. Et du coup, on l'a gardé avec tout ce
tout ce qu'on nous avait dit de départ concernant ce syndrome. Les différentes pathologies, il y a des pathologies au niveau de ses reins, de son cœur. Elle a aussi un retard de croissance, donc c'est un handicap qui est physique. Voilà, parce qu'il y a aussi des handicaps invisibles, on n'en parle pas assez. De plus en plus. On n'en parle pas assez, de ces handicaps invisibles. Mais elle, c'est quelque chose qui est physique, donc c'est quelque chose quand on la voit, tout de suite, on se dit, quand on lui demande son âge, on se dit, elle est petite pour son âge. Et voilà, et comment elle vit aujourd'hui? Elle vit très bien. Elle a une AESH à l'école. D'ailleurs, coucou à l'école Carambole de la Plaine Saint-Paul, qui est une super école. Ouais, avec une directrice qui est au top du top. Et puis, elle a eu un accompagnement dès qu'elle est entrée à l'école. Et là, cette année, elle a encore une fois son AESH, que je salue aussi. Mmh. Et je salue d'ailleurs toutes les AESH qui accompagnent les enfants à l'école, autant que les tatis, les maîtresses, tout ça. Nous, on a fait le choix de la mettre dans une école avec des enfants normaux. On a hésité. Puisqu'il y a aussi des écoles spécialisées. Tout à fait spécialisées, oui. Mais on voulait que les autres enfants puissent voir la différence et puis que ces enfants aussi qui sont un peu différents se retrouvent au sein d'enfants normaux et le même parcours scolaire que ces enfants-là. Donc coucou à tout le monde. Et du coup, elle a fait sa rentrée là, du coup, c'est ça? Elle a fait sa rentrée, donc elle va à l'école tous les jours de la semaine maintenant. Super. Au début, elle n'y allait pas le lundi puisqu'elle avait des examens médicaux. On avait essayé de tout regrouper sur une journée. Et là, ça y est, elle est sur un cursus normal. Génial. Ça signifie quoi? C'est qu'elle a des examens médicaux régulièrement Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, par rapport à ses pathologies, elle va arriver un moment à l'insuffisance rénale. Ça veut dire qu'il faudra un moment qu'elle ait une greffe. Donc ça aussi, pour la petite histoire, voilà, la greffe, on change vite d'avis quand ça nous arrive. Mmh. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui disent « je ne prenais pas quelque chose dans mon corps ». Quand ça vous arrive, finalement, vous dites la greffe, heureusement, parce que ça sauve des personnes. Donc, elle devra avoir une greffe de rein un jour. Mmh. Elle a le sang de son papa, donc son papa ou une personne compatible. Mais il faudra qu'elle fasse une greffe de rein, voilà. Après, pour le cœur, tout ça, c'est des choses qui s'opèrent. Et puis, pour sa taille, elle aura toujours ce décalage de croissance, mais on va lui donner de la confiance en elle pour qu'elle puisse ne pas se sentir différente, en fait. Voilà. Je pense que déjà, Cléa, tu as une maman et une famille, des gens qui t'entourent qui sont extraordinaires. Mmh, et on le sent quand tu parles. Nous, en tant que parents, on ressent. Hein, oui. On ressent ce que ça peut faire, ce qui peut se dire, le quotidien que tu as. Mais tu as le don, d'en faire une chose magique. Elle sublime le truc. Voilà. Complètement. Et ça... C'est magnifique. Voilà. Donc, juste pour ça, merci pour elle. Merci d'être sa maman dans cette vie. Et donc, vous avez décidé d'ouvrir une association parce que cette pathologie-là, elle est unique à La Réunion, c'est ça? Alors, pas forcément parce que cette pathologie-là, elle est unique. Déjà, je voulais aussi faire un petit coucou à mon conjoint parce que je ne suis pas seule maman de Cléa et on est deux. Ouais. Et je pense que si ça n'avait pas été la personne que c'est, ça n'aurait pas été aussi facile pour moi. Et je n'arriverais pas aujourd'hui à le partager avec vous, c'est cette vraiment émotion-là. Une équipe, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Je pense que ce genre de situation dans les couples, ça peut les casser, puis ça peut tout aussi les renforcer. Nous, ça a été une chance, ça nous a renforcés encore plus. Donc, j'en profite aussi d'être à la télé. Merci. merci. C'est quoi son petit nom? Alex. Le petit nom, le tout petit nom? Hein? Le tout petit nom, c'est bébé. Quoi? Bébé. C'est bébé, ouais. Merci, bébé. Derrière chaque femme, il y a un homme aussi. Souvent, hein, ça peut être un père, un époux, un meilleur ami, un fils. Et du coup, en fait, on s'est dit, à partir du moment où nous, on a vécu cette étape et qu'on s'est retrouvés dans cette situation, qu'on a passé beaucoup de temps à l'hôpital, on s'est dit, mais maintenant que nous, on l'a vécu, comment on peut faire pour l'apporter aux autres? Et en fait, j'ai une meilleure amie aussi qui est pleine de talent. Du coup, on s'est dit, voilà, on est trois. On a chacun une force. Alex, lui, c'est l'entrepreneuriat puisqu'il a monté sa boîte. Il est graphiste, il fait des formations de communication. Maïté, c'est le voyage, donc c'est les langues étrangères. Elle donne des cours d'ailleurs d'anglais. Regardez sur notre page Nous de Force, elle donne des cours le jeudi soir. Et c'est vraiment pas cher, c'est accessible à tous. Et puis moi, cette partie maman d'enfants portant handicap, je voulais démystifier le handicap. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette assoce, pas pour le syndrome de Dreyer. Je pense que contrairement à des syndromes comme la trisomie, c'est pas assez connu peut-être pour en faire une association, mais pour tous les handicaps qui existent à tout moment de la vie, toutes les personnes qui ont envie d'apporter ou comme tu disais tout à l'heure, qui sont un peu isolées et qui se disent, est-ce qu'il y a des personnes, moi c'est une question que je me suis posée à l'hôpital à un moment, est-ce qu'il y a des gens comme moi, est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça comme moi, est-ce qu'ils le vivent de la même façon?
Et j'ai regardé à cette époque-là plein d'assos. D'accord. Et il y en a. Et il y en a. Tu peux les citer? Alors oui, il y a une assos moi qui m'a marquée. Je vais parler d'elle ce soir puisque quand j'étais à l'hôpital avec ma fille, ils m'ont donné 10 minutes de déconnexion. Quand on est à l'hôpital, c'est des moments pas faciles. Et puis c'est les clowns à l'hôpital. Ah oui. Et ils sont entrés dans la chambre et ça a changé toute la journée. Et pourtant, ça a duré que 5 minutes. Waouh. Donc, Éclat de Lille, elle s'appelle comme ça, cette association. Ouais. Elle m'a marquée à l'hôpital, donc je leur fais un petit clin d'œil. Parce que du coup, voilà, ils nous ont un peu inspirés. Puis on s'est dit comment, nous, maintenant qu'on l'a vécu, que Claire va bien. Repartager voilà, cette magie-là. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi. Très bien. Alors, moi, j'ai plein de questions parce qu'Audrey, elle a parlé. Du coup, moi, j'ai envie vraiment de revenir au tout début. Ma fille, alors, moi, tu sais de quoi je vais te parler? Je ne sais pas. Ah voilà, donc de ton métier. Est-ce que tu prends les CV? Non. Voilà. Enfin, moi, c'est une question, je pense qu'il y en a plein qui se posent ces questions-là. Et après, joker, si jamais tu peux en parler. Souvent dans des grosses boîtes qui gèrent énormément de personnel, sont sur des managements un peu lean, quoi, un peu vraiment très loin des entreprises libérées, les entreprises agiles ou en intelligence collective. Comment aujourd'hui garder ce côté humain dans des grosses boîtes? Alors, moi, j'ai la chance... Alors, je vais dire demi-joker. Demi-joker. Allez. Parce que je vais faire attention à ce que je dis, parce que voilà... Bah oui, bien sûr. C'est normal. Voilà, on fait toujours attention quand on parle comme ça de grands groupes. Mais moi, déjà, j'aime mon entreprise. J'aime ce qu'elle représente. J'aime l'ancrage local qu'on a. Et je trouve que, justement, ça fait partie d'un item qu'on travaille régulièrement, l'humain. L'humain au cœur de l'entreprise. Oui. Et c'est quelque chose qu'on fait. Donc, d'accord, du coup, aujourd'hui, je me reconnais aussi, d'accord, dans l'entreprise dans laquelle je suis. Je pense que j'ai les mêmes valeurs que mon entreprise. C'est chouette, ça. Okay. Ah, pour celle-ci, beau, en tout cas. Hein, pour celle dans laquelle je travaille. Passe directrice RH maintenant. Pas du tout. Mais pas avec mon cœur. Non, mais on entend. Et j'aime ce que je fais. J'aime. Enfin, voilà. Des fois, il faut regarder un peu d'autres situations, d'autres personnes. Voilà. Moi, je vois, pendant la période de confinement, on a eu une rémunération. Ça n'a pas été la chance de tout le monde. C'est des petites choses comme ça dans des groupes où il y a une valeur humaine parce qu'on pense aux gens. Voilà. Ok. Tu me dis one point. Okay. Ben, moi, je vais aller, si tu me permets. Ben, justement, tu parlais de valeurs. Quelles sont tes valeurs? Alors, moi, mes valeurs, c'est déjà... être juste. J'aime bien quand voilà, je suis pas pour l'égalité, mais je suis pour l'équité. Je trouve qu'il faut adapter chaque chose à chaque personne. On n'a pas tous la même capacité voilà, de vivre les choses. C'est ça, exactement. Une de mes valeurs, c'est la franchise. Voilà, c'est un de mes traits de caractère. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais ça fait que voilà, moi, quand je me regarde dans la glace, j'assume tout ce que je dis. RH, ça doit donner ça. Une RH franche. Tu vois ton congé où tu peux... Non, pardon. Non, alors attention, on peut aussi donner des compliments en étant franche. La franchise, c'est pas forcément négatif. Bien sûr, je te dis. En général, je suis gentille. Ok, donc, juste, ensuite franche, ensuite... Généreuse. Ça se voit pas. Alors, pourquoi je dis généreuse? Parce que quand je me suis mariée, le père a demandé à mon mari un adjectif qualificatif. Oh, il a dit ça. Non, il a dit charitable. Oh, bon. T'es mignon, charitable. Ouais. Généreux. C'est bébé. Vocabulaire recherché quand même, bébé. C'est ça. Bébé. C'est pour m'impressionner. Bah alors, bébé. Ouais, on me dit souvent, généreuse. Généreuse. Puis, il y a vraiment... tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose, vraiment au début, par rapport à l'handicap de ta fille, où vous avez su, depuis le départ, ton mari et toi, et c'est un choix de l'avoir gardé. Aujourd'hui, ma question, c'est pourquoi avoir fait ce choix? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, on s'est posé la question, pourquoi on a fait ce choix? Je vais regarder la caméra comme ça, Alex, si tu me regardes. on a fait ce choix parce que je pense qu'on a une personnalité, on y aurait pensé toute notre vie. Toute notre vie, on se serait posé la question de se dire... parce que beaucoup de médecins m'ont dit, t'es très jeune, recommence. Quand tu le sais comme ça, de départ... il faut recommencer, c'est une charge hein, de le savoir de départ comme ça. Mais je me suis dit, j'y penserai tout le temps. Et puis, c'est vrai. Et puis je me suis dit aussi, la vie, elle te donne
ce qu'elle te donne. Il faut accepter ce qu'elle te donne, il faut prendre ce qu'elle te donne, que ce soit positif ou négatif. On a tous une vie qui nous est destinée. Mmh. Et moi, c'était ce qui m'était destiné. Voilà, j'ai un super job, je suis super bien entourée, j'ai une super famille, des super amis. J'ai ça dans ma vie, voilà, j'ai une petite fille porteuse handicap et je vais en faire ma force aujourd'hui. Cette épreuve, en fait, je vais la transformer. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est inspirant. Vraiment. Bravo. Bravo à tous ces parents ouais. là qui. C'est après, ça. C'est pas facile. Hein. Ça m'a pris du temps. Mais c'est possible. Aussi... Oui, voilà. Et c'est ce que je veux dire. C'était quoi tes ressources pour affronter ? Alors, beaucoup discuté avec sa moitié, avec ses proches. Je pense que j'ai eu, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, un super bon entourage. J'ai des amis en or. J'ai des amis en or, voilà. Qui nous ont soutenus. Puis il y a eu aussi un accompagnement ici à La Réunion qui a été super, tant au D'accord. niveau de l'école que de la MDPH, Donc vraiment que de l'hôpital. Tous les maillons de la chaîne ont oui. fait que... Après, en tant que coprésidente d'une association aujourd'hui, je sais que ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Je sais que j'ai croisé beaucoup de parents. C'est pas le rêve, c'est compliqué. Ils font des cagnottes pour essayer. Donc, moi, le message aussi que je voulais porter ce soir, c'était de dire à tous ces gens qui nous regardent, si vous pouvez aider un petit peu toutes ces associations, quelles qu'elles soient, qui donnent à d'autres personnes, qui repartagent, faites-le. Faites-le avec que ce que vous avez, même si c'est un petit peu, c'est pas grave. Un petit peu de chacun. On dit que il y a un collègue à moi qui disait on peut manger un éléphant si on en mange un bout tous les jours. Complètement. Manger l'éléphant morceau par morceau. Bon, moi, je dis le petit colibri, hein, c'est pas mal aussi. Aussi. Chacun fait sa part. Et moi, je dis si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Voilà. En tout cas, c'est très fort. On sent vraiment que tu es entière, que tu as évolué avec tout ça. Vous n'êtes pas bébé et toi. Vous n'êtes pas les personnes que vous avez été auparavant et vous êtes devenue vraiment. J'ai l'impression que vous êtes accomplie et c'est pas fini parce qu'avec cette association là et puis tous les projets, je suppose que vous avez dans les mois, dans les années à venir, vous êtes projetée un petit peu. Alors, on fait un calendrier des événements. Les mesures sanitaires nous aident pas un peu comme vous. C'est très compliqué aujourd'hui de mettre en place un événement. Mmh. Prochain événement, et d'ailleurs, vous serez invitées, les filles, ce sera notre assemblée générale au mois de novembre. Il y a du plaisir, on sera là. À nouveau. Ou pas alors, est-ce qu'il y aura des chips and dates Mais non, ça sera mais pas possible. Il y aura des chips. Ah oui, d'accord. Alors, tout de suite et tout. Il y aura des enfants. On n'aime pas ça, franchement. C'est non. Il y aura des enfants qu'on va pas aider, donc malheureusement. Non, encore mieux. On va faire là. Une remise de cadeaux. Donc, on sera là avec grand plaisir. Oui, ce sera vraiment un moment fort. Est-ce que vous envisagez un deuxième enfant ? On se pose la question. Et là, je dis Joker. Ah, c'est elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le Joker. Moi, je pose des questions chiantes, moi, j'avoue. Et bien maintenant, moi, je souhaiterais vraiment aborder. Revenir sur la partie professionnelle, mais pas par rapport à l'entreprise, parce que tout à l'heure, tu disais comme ça que tu as fait tes études à La Réunion, donc ce qui veut dire également, en faisant ces études à La Réunion, il y a vraiment une possibilité aussi pour la personne d'évoluer et de s'épanouir professionnellement. Alors oui, j'en suis l'exemple. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où j'ai fait mes études en alternance, j'ai choisi l'alternance, et après, c'est une question d'opportunité. Je pense que j'étais aussi au bon endroit, au bon moment. Souvent, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que ma licence, je l'ai fait avec l'Université de Lyon à distance. Donc ça aussi, c'est un truc qui est pas mal quand on peut permettre aussi à des étudiants ici à La Réunion de faire des diplômes qui existent en métropole, mais ici, en local, sans forcément devoir quitter La Réunion. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en licence. J'étais à l'EGC, puis j'ai un diplôme de l'Université de Lyon sans y avoir été. Génial. Donc, on n'est pas obligé de partir pour réussir. Alors, on n'est pas obligé de partir. Après, ça dépend aussi de ses envies personnelles. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens que je côtoie qui partent. Tu parlais tout à l'heure de tes filles. Alors, on a aussi envie de voir autre chose. Moi, j'en viens de la métropole. Donc, j'avais pas cette envie aussi de partir. Puisque j'en venais, et ça va faire maintenant 21 ou 22 ans que je suis à La Réunion. Et du coup, je me dis, mais voilà, j'ai pas eu ce besoin de voir autre chose que je l'avais vu avant, peut-être. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Mais c'est possible, oui. Et je connais plein d'étudiants qui ont pu intégrer des entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent des jeunes qu'ils accompagnent sur leur diplôme. Oui, bah oui, effectivement. Des entreprises engagées, il y en a. Il y en a quand même, effectivement. Quelles sont tes ambitions, tes projets ?
Alors, mes projets un jour, c'est de savoir très bien jouer au piano. Je prends bien. Des cours. Ouais, c'est pas bien. Facile passer 30 ans. Hein. C'est possible. C'est possible. C'était un de mes rêves, du coup, et je m'y suis mise là. J'entame ma deuxième année. Donc, ce serait de pouvoir jouer des morceaux au piano, un de mes rêves. Ouais. Deuxième rêve, ce serait qu'un jour, ma fille, je puisse la voir grandir et qu'elle puisse apporter, elle, à d'autres personnes aussi, à son parcours, son expérience, qu'elle ait envie de partage, que j'arrive à lui apporter ce côté de partage que j'ai, voilà. Je pense que ça va pas être difficile. Oui, franchement. On dit que les chiens font pas des chats. C'est ça, ou la pomme ne tombe pas loin du pommier. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaites justement partager dans le cadre de cette émission, que ce te concernant ou un événement dans ta vie au-delà de ce que déjà tu as déjà partagé? Non, je pense que j'ai fait le tour de tout. Hein. Coupé. Non, je fais à nouveau un petit coucou à toutes les personnes qui me reconnaîtront parce que voilà, on a tous des gens autour de nous. Tu veux citer des gens? Non, ouais. Parce que sinon je vais faire des jaloux, je pourrais pas citer Simone, tout le monde, je vais en oublier. Josette, Gertrude, Antoinette, Ginette. Si vous me reconnaissez, envoyez-moi un message, comme ça vous saurez que je vous ai fait coucou. Et merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenue ces 6 dernières années, dans tous les moments beaux comme moins beaux. Voilà, je n'ai pas eu de moment où je me suis sentie seule et du coup, merci. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, rebondissez dessus les filles. Effectivement, bah oui, je vais rebondir. Rebondissons. Ben voilà, Audrey est l'exemple dans tout ce qu'elle a évoqué. C'est vraiment l'exemple que dans toutes les situations négatives, il y a toujours du positif à en retirer. C'est vrai que parfois on est face à une situation où on a l'impression que le monde tombe sur nous et qu'on ne comprenne pas, mais tout a du sens et que justement ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, ça va ne faire que vous tirer vers le haut et vous amener à grandir, à évoluer. Donc ayez foi, soyez confiant, tout a du sens. Ma phrase favorite. Jingle. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton association? Alors, vous pouvez consulter notre page Nous de Force et liker notre page et vous pourrez voir toutes les vidéos Facebook. Qu'on fait. Voilà, sur Facebook. Pour l'instant, on est que sur Facebook. Oui, c'est très bien. Voilà. Donc, regardez ce qu'on fait et puis likez-nous. Eh bien, écoute, je pense qu'on va déjà partager ta page. Exact. Sur notre page, donc vous pouvez retrouver la page Nous de Force d'Audrey du trinôme, ça se dit ça? C'est ça, ouais. Du trinôme d'enfer avec bébé. Maïté. Maïté. Ah, c'est tout en « et ». Audrey, Maïté, bébé. Voilà, donc moi je ne peux pas rentrer dedans, Gisèle. Mais bon, donc Gisèle, c'est le prénom de ma maman. Ah voilà. Alors je sais pas si c'est un compliment. Je descends avec elle. Si, il est trop beau ce prénom. Ah, n'est-ce pas? Elle a clash ta maman. Je peux pas le dire à la télé. Joker. Alors, c'est la dernière émission où vous voyez Karine. Voilà, donc on va partager la page Nous de Force sur Au cœur des femmes. N'hésitez pas. Tout est riche, tout est beau, tout est en cohésion, c'est magique en fait. Je suis ravie d'avoir rencontré Audrey. Franchement, ouais. Je l'ai rencontrée pour la première fois donc, sur Au cœur des femmes, là, l'événement. Donc elle est venue ensuite pour qu'on la découvre et franchement, magnifique portrait. Merci pour tous ses parents dont aujourd'hui tu es un petit peu l'ambassadrice, hein, tous ces parents d'enfants porteurs de handicap. Je profite également pour faire un coucou à Handicap Solidaire, à Tu es mon autre. Il y a pas mal d'associations. Si vous en connaissez, c'est vraiment le moment là, d'inciter et de remercier. Bah, également, je ne sais pas également le nom, mais elle était présente sur l'autisme. Ouais, elle était présente pendant l'événement Au cœur des femmes. Oui, alors la réunion de l'autisme. Oui, voilà, c'est par rapport aux enfants autistes et plein d'autres. Oui, voilà, on l'a invitée sur le plateau et elle viendra également. Éclat de Lille aussi, voilà. Oui, il y a plein d'associations et plus on est nombreux, plus on pourra faire de belles choses. Bah, bravo à toutes ces associations pour tout ce que vous faites. C'est juste extraordinaire. Et on sera là
à vos côtés. Voilà, appelez-nous, invitez-nous, on sera là, on va filmer, on va médiatiser. L'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde en réseau et de créer vraiment du lien entre toutes ces forces-là. Donc, voilà. Complètement. Merci beaucoup. Merci Audrey, très belle personne. Merci pour ce beau partage. Alors, je ne sais pas si de chez vous, vous ressentez, mais il y a vraiment une énergie de bienveillance. C'est vraiment agréable. Et donc, nous espérons que vous avez vraiment pris plaisir à regarder cette émission. Merci Gisèle. Merci à vous les filles. Donc, n'hésitez pas. Au cœur des femmes, c'est une page Facebook. C'est également une adresse mail au cœur des femmes, oi@gmail.com, et aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver notre teaser des 3 ans, une matinée extraordinaire. Les filles, on va clôturer. À très vite. À très vite, Gisèle. À très bientôt, au revoir. Merci. Bye. Bye.